Gloire à Jésus. Jésus, Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes à la deuxième partie, le deuxième sous-thème de l'enseignement sur l'échelle de Jacob. Le fonctionnement spirituel surnaturel de la prière selon les régions invisibles et visibles des dispensations. L'échelle de Jacob. Et le premier sous-thème est la prière. La prière. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Donc, nous étions arrêtés sur un point. Nous avons d'abord prié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. Béni, Seigneur. Nous sommes à cette séquence pour transmettre l'eau, pour donner l'eau afin que tout ce qu'on soif s'approche du fleuve d'eau vive pour boire de l'eau. Seigneur, nous voulons répandre l'aspersion de la parole afin que tous soient remplis de la parole, purifiés, lavés, restaurés, renouvelés, afin que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Jésus, tu es Seigneur. Seigneur, nous voulons manger la manne qui tombait dans le désert. De la même manière que le désert était un sol qui avait besoin de nourriture. De la même manière que nous sommes ce désert ayant besoin de l'eau pour vivre. Seigneur, donne du pain et de l'eau. Nous voulons manger du pain dans le désert et nous voulons boire de l'eau pour pouvoir jaillir de la bénédiction d'abondance afin que notre désert devienne une terre fertile. Amen. Pour produire des fleurs, des germes, des plantes et des fruits. Seigneur, inonde-nous de l'humilité, de ta grâce, afin d'être rempli de la plénitude de Dieu dans la largeur, la hauteur, la profondeur et la longueur. Jésus, tu es Seigneur. Donne-nous d'utiliser les quatre langages de la parole, révélation, prophétie, connaissance, doctrine, afin de révéler ta pensée à ce peuple qui a soif de l'eau de la vie. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Donc, lisons le dernier verset où nous sommes arrêtés. Okay. Parlant du parabole du semeur. La parabole du semeur. Voilà. Matthieu 13, verset 23. Je lis le livre de Matthieu 13, 23 au nom de Jésus. Mm-hmm. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100. Wow. Un autre 60. Wow. Un autre 30. Ça, c'est une autre mystère. Nous allons parler de ça vers la fin de l'enseignement. Amen. Le but de la semence, comme nous l'avons dit, c'est de produire du fruit. Amen. Le but de la semence, c'est de produire du fruit. Alléluia. Amen. Et nous savons très bien que lorsque nous semons la semence à terre, sur le banquet, la Bible dit que le grain ne peut produire de fruits sans qu'il ne meure. Mm-hmm. Lorsque le grain meurt, en réalité, le grain meurt, dégage une odeur. Et c'est l'odeur qui, en réalité, attire. Attire quoi? Attire la pluie. Même la pluie vient accompagner même le grain afin de pouvoir produire des fleurs et après produire du fruit. Et nous savons très bien que si nous parlons d'odeur de la Bible, nous faisons référence à un parfum. Et si nous parlons de la semence qui tombe sur le banquet, qui dégage une odeur, parce que lorsque le grain meurt, il a besoin de la pluie pour pouvoir pousser. Lorsque l'odeur est dégagée par la mort du grain, la pluie descend, arrose, l'arrose dans le sol pour produire du germe qui aura des feuillages. C'est de la même manière que lorsque je prie dans mon esprit, je dois accompagner ma prière par une odeur. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de 2 Corinthiens 2 que aux uns est une odeur de mort, aux autres une odeur de vie. En réalité, l'odeur dont nous parlons ici n'est pas une odeur physique qui dégage des fumées physiques ou des odeurs, des gaz physiques. Mais l'odeur dont nous parlons, c'est une odeur de vie, une odeur spirituelle qui attire
la pluie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la prière qui tombe sur le bon terre, la bonne terre étant l'esprit de l'homme régénéré, et que la prière quitte l'esprit pour atteindre les réalités célestes, cette prière est accompagnée, elle dispense, cette prière dispense nécessairement un parfum. Dans la prière, Dieu fonctionne avec la loi des organes. Dans les réalités de la prière, dans les lois du royaume de Dieu, Dieu fonctionne avec les odeurs. Alléluia. Amen. Nous voyons à l'origine, Abel et Caïn, les deux sacrifices ont été commandés de Dieu. Mais celui qui était agréé est pour Abel. Et c'est l'odeur qui montait vers Dieu. La fumée même du sacrifice qui montait vers Dieu. Donc Dieu fonctionne avec les odeurs. Dans la loi, Dieu avait institué des rituels temporaires qui devaient se passer par le moyen des parfums, de l'encens, etc. pour produire des odeurs qui vont monter vers lui afin de déclarer, de déclencher même une certaine manifestation même de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'au commencement, il y avait une vapeur. Vous pouvez expliquer, dire en quelques secondes cela. Alléluia. Une vapeur qui attirait la pluie. Oui, une vapeur. La Bible nous a dit dans le livre de Genèse 2, le verset 7, que au commencement, il y avait une vapeur qui montait au ciel. Cette vapeur qui montait permet que la pluie tombe. Et quand la pluie tombe, ça arrose la terre pour que la terre produise maintenant des herbes. Alléluia. Nous disons que cette pluie qui vient, ou bien cette vapeur qui montait, en réalité, ce sont des prières. Parce que la première personne qui a prié, c'était Dieu lui-même quand il était en esprit. C'est pour cela qu'il dit que la lumière soit. Et l'esprit mouvait à la surface des eaux. Voilà. En réalité, l'esprit et l'eau travaillent ensemble. C'est pourquoi Jésus est venu avec l'eau, l'esprit et le sang. Amen. Jésus est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Et vous allez comprendre les trois liaisons de l'eau, l'esprit et le sang dans le processus de germination de la graine, de la semence et du moment du poussage, de l'élévation des feuilles. Dans le but que ces plantes, à l'époque de la moisson, produisent des fruits au temps du soleil levant, dans le but que le semeur récolte assez de grâce, de bénédiction, résultant plutôt de cette semence qui était tombée sur de bonnes terres. Acclame Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, parlant des parfums, les parfums sont des odeurs. Et ces odeurs sont en réalité semblables à la vapeur qui s'était élevée au commencement vers Dieu afin de provoquer la pluie. Et cette pluie, nous connaissons très bien la représentation spirituelle de cela. Pour l'époque de la germination de la semence à terre. Donc la prière a donc besoin d'être arrosée afin de produire des fruits. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, parlant des parfums, nous voyons que Dieu a institué cela dans le but de recevoir l'odeur des sacrifices, l'odeur des prières que faisaient les hommes pendant le temps de la loi. Et nous savons très bien que ce qui était au temps de la loi était physiquement utilisé, représenté jusqu'à l'époque du Saint-Esprit, aujourd'hui au temps de la grâce, où tout ce qui était représenté spirituellement devient... Non, où tout ce qui était représenté physiquement devient spirituellement symbolique dans le but de comprendre les choses du royaume de Dieu. Je reprends. Dans la loi, tout était physique, imagé. Dans la grâce, tout devient spirituel. Tout ce qui était spirituellement physiquement représenté se situe spirituellement aujourd'hui. Donc le parfum dont nous parlons, nous ne parlons pas du parfum physique. Nous ne vous disons pas
que c'est le parfum physique qui est la prière. Mais cela symbolise la prière dans le temps de la loi. Ça accompagnait les sacrifices de prière dans le temps de la loi. Mais aujourd'hui, la prière que nous faisons doit être accompagnée d'odeur. Mais l'odeur que nous dégageons par notre prière n'est pas une odeur d'un parfum physique, d'un encens physique, mais l'odeur est même spirituelle. Et c'est une odeur de la vie qui monte vers Dieu. Parce que aujourd'hui, toute chose est spirituelle. Le tabernacle n'est plus physique. Le tabernacle est maintenant spirituel. Car le tabernacle de Moïse était l'ombre des biens à venir. Et la réalité de ces ombres est en Christ, replantée par les chairs de Jacob et le tabernacle céleste de l'œuvre de Dieu des régions invisibles et visibles des dispensations. Gloire à Jésus. Alléluia. Lisez-moi Hébreux 9, versets 3 à 4. Donc, nous parlons des prières, encore d'autres réalités des prières sur de bonnes terres. Et nous comparons la prière au parfum. La bonne prière est comme un parfum de bonne odeur. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Lisons le livre de Hébreux 9, verset 3 à 4. Ok, je lis au nom de Jésus. Derrière le second voile. Il s'agit du tabernacle de Moïse. Voilà. Qui est composé de deux éléments, lieu saint et lieu très saint. Amen. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Voilà, le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums. Renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance. Entièrement recouverte d'or. Entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Gloire à Jésus. Amen. Nous savons très bien que le lieu saint, il y avait la table, les pains de proposition, il y avait le chandelier, etc. Et pour atteindre le lieu très saint, il faut d'abord passer par le lieu saint. Mais dans la loi de Moïse, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et c'était à cause de ce voile et à cause de l'impossibilité des hommes d'aller, des sacrificateurs, d'aller tout le temps dans le lieu très saint, ce qui les permettait d'aller une seule fois par an, et c'est en cette fois par an que le voile s'ouvre. Et c'était vraiment la faille de la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Alors, à la croix, Jésus a crié que tout est accompli. Et lorsque tout était accompli réellement, lorsqu'il a accompli le sacrifice d'expiation, le voile du temple était déchiré en deux. Ce qui veut dire que le chemin du lieu très saint est maintenant ouvert. Or, ce chemin n'était pas ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, c'est-à-dire tant que les choses étaient vues d'une manière physique, terrestre. Or, ce tabernacle terrestre était une image des choses célestes qui allaient venir et que Christ est le chemin maintenant vers le tabernacle céleste. Alors, Christ a d'abord déchiré le voile physique en symbole de la déchirure spirituelle, de la fermeture, c'est-à-dire de la fermeture, ce qui empêchait les hommes d'atteindre Dieu. Or, nous savons très bien que Dieu est dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, dans le tabernacle terrestre, il y avait l'âge de l'Alliance, etc. Le propitiatoire, l'âge de l'Alliance, les deux chérubins qui représentent la demeure de Dieu dans le tabernacle. Or, le lieu très saint aujourd'hui, que nous voyons selon les réalités, les biens à venir manifestés en Jésus-Christ, nous voyons que c'est au lieu très saint que Dieu habite, que Dieu établit sa demeure. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il n'y a plus de voile aujourd'hui devant le lieu très saint. Donc, l'autel de parfum
n'est plus devant un voile. Parce que le voile était déchiré. Donc, ce qui veut dire que nous n'allons pas attendre une fois par an avant que les sacrifices que nous faisons à Dieu ne puissent monter au lieu très saint. Non, parce que Christ a accompli le véritable sacrifice qui était en réalité le sacrifice d'expiation. Donc, en tout temps, nous pouvons prier parce que le chemin est ouvert, le voile est déchiré. Jésus-Christ est ce chemin qui nous mène au lieu très saint. Donc, nous pouvons prier en tout temps. En tout temps, sachant que ce n'est pas une seule fois par an que nous aurons exaucement à nos purifications, mais c'est en tout temps que Dieu peut agréer nos prières parce que le lieu très saint est ouvert, le voile est déchiré. Mais nous remarquons que dans l'Exode, il y avait, comme je l'ai dit, un voile qui n'est pas le lieu très saint du lieu saint. Mais quand on entre, et l'autel de parfum n'était pas à l'intérieur du lieu saint, mais était devant le voile qui était devant le lieu très saint, l'âge de l'alliance. C'est pourquoi nous voyons dans Hébreux, pourquoi Hébreux, en voulant parler du tabernacle de Moïse, n'a pas encore dit que l'autel des parfums est devant un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. En réalité, l'auteur du livre d'Hébreux voudrait simplement parler de la réalité actuelle depuis la déchirure du voile. Parle de la croix, il voulait parler de l'état actuel en son temps jusqu'à la fin de la dispensation de la grâce ou bien de la dispensation de la grâce en ce qui concerne l'autel des parfums. L'auteur de Hébreux voulait relater simplement ce qui se passait dans la loi de Moïse. Mais pourquoi lorsqu'il tombe sur l'autel des parfums, il a dit que l'autel des parfums ou bien il a dit que le lieu très saint renferme l'autel des parfums et l'âge de l'alliance. C'est tout. Parfois, je lis l'écriture, je me dis, Seigneur, c'est quoi? Je vois dans la loi de Moïse, l'autel des parfums devant le voile du lieu très saint. Ce qui veut dire que le parfum ne monte pas comme ça directement vers Dieu. Il faut attendre un temps. Il faut attendre un temps pour que les parfums montent. Mais aujourd'hui, l'auteur de Hébreux veut, il a décrit questionnement ce qui s'est replanté sur terre en parlant du tabernacle. Il a replanté le tabernacle céleste. Il a plutôt expliqué la replantation, comment le tabernacle céleste de Dieu a été mis sur terre dans le désert, dans le temple. Mais lorsqu'il est venu sur l'autel des parfums, il a dit l'autel des parfums renferme. Il a dit plutôt que le lieu très saint renferme l'autel des parfums et l'âge de l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il utilise le présent. Il est en train de parler de la réalité actuelle de la dispensation de la grâce en ce qui concerne l'autel des parfums qui n'est plus devant un voile parce que Jésus a déjà déchiré le voile. L'autel des parfums est dans la perfection invisible de l'éternité. Aujourd'hui, il n'y a plus de voile qui sépare l'autel des parfums de ce lieu très saint. C'est pourquoi l'autel des parfums est devant le trône de Dieu dans le lieu très saint. C'est pourquoi l'auteur d'Hébreux n'a plus répété la manière dont l'autel des parfums était devant le voile du lieu très saint. Il n'a plus répété l'explication à cette manière, puisqu'il reconnaît que le voile est déjà déchiré. Pour ne pas embrouiller les gens, il a révélé clairement que le lieu très saint renferme l'autel des parfums et l'âge de l'alliance. Gloire à Jésus. Amen. Vous comprenez clairement? Oui. Vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice ou bien c'est bon? C'est bon. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que dans Apocalypse, l'autel des parfums, dans les révélations que j'ai eues, j'ai vu le troisième ciel, il a vu le ciel des perfections invisibles. Et nous savons très bien que les perfections invisibles sont dans le monde surnaturel avant d'être reflétées sous forme de miroir spirituel dans le monde du troisième ciel qu'on appelle le monde spirituel. Et on sait que le monde spirituel est sorti du monde surnaturel et que le monde surnaturel est la matrice du monde spirituel. C'est pourquoi le lieu très saint est le monde surnaturel, le lieu saint est le monde spirituel, le pavé est le monde matériel. Alléluia.
Donc l'autel des parfums est dans le monde surnaturel où nous, que nous appelons le ciel des perfections invisibles devant le trône de Dieu. Il n'y a plus de voile qui sépare. Or avant, c'était devant le voile. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons comprendre quelque chose. Comment, quand nous prions, quand la prière tombe sur le bantel, nous avons dit que la bantel, c'est l'esprit de l'homme régénéré, né de nouveau, purifié. L'homme, l'esprit de l'homme qui est la terre dont le chair a été défriché. C'est ça, non? Défriché. Défriché. Voilà. Défriché. Dont les épines ont été ôtées, les voilà. Pieds ont été ôtées, pour que ce lieu soit une terre fertile. Amen. Qui doit recevoir la pluie pour produire de la germination et de la, et du fruit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, quand nous prions et que la prière tombe sur le bon terre, la prière devient une semence spirituelle que nous avons sémée dans notre terre, dans notre esprit. Alors, la prière doit être portée où? La prière doit être portée dans le but, la direction de la prière, c'est le lieu très saint. La prière doit aller vers Dieu. La fumée de parfums doivent monter, des parfums spirituels doivent aller jusqu'au trône même de Dieu. Le trône d'une propitiatoire. Alléluia. Mais comme il y a le troisième ciel, et le troisième ciel est le pont, l'étape d'atterrissage de tout ce qui descend, montant de la terre vers la demeure de Dieu dans le lieu très saint au ciel des perfections invisibles. Comme le troisième ciel est la médiation, le carrefour de repère de la terre et du ciel. Alléluia. Amen. Il est important que, avant que les parfums n'atterrissent au lieu très saint chez le Père des Lumières, chez Dieu dans sa nature divine, éternelle, dans les perfections invisibles, la prière atterrit au troisième ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a un rôle, il y a quelque chose qui se passe au troisième ciel. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je répète, le tabernacle de Moïse est composé de deux choses, le lieu saint, le lieu très saint. Mais il y a d'abord, avant d'aller au lieu saint, il y a le pavé, qu'on appelle souvent l'extérieur. Alléluia. C'est de la même manière, comme je l'ai dit, il y a trois grands mondes. Le monde surnaturel qui est le lieu très saint, les perfections invisibles de la divinité. Le lieu saint, la puissance de Dieu qui est la droite de Dieu. C'est le troisième ciel, c'est la puissance de Dieu dans le monde spirituel. Et le parvis qui est le monde matériel dans lequel il y a la terre spirituelle qui est l'esprit de l'homme régénéré dans son corps physique, dans le monde matériel et dans la terre. Mais nous savons que la terre n'est pas simplement le monde physique matériel, mais la terre est aussi le monde spirituel au-dessous du troisième ciel, ainsi que le monde matériel au-dessous du troisième ciel. Donc, la terre est le parvis, mais le lieu précis où Dieu opère dans le parvis, Dieu opère tous les sacrifices, Dieu opère tous les œuvres dans le parvis, c'est l'esprit de l'homme qui est la terre où se passent les sacrifices. Amen. Acclame Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Apocalypse 5, 8. Quand les prières quittent l'esprit, quand les prières quittent la terre, parce que les prières ne font pas rester simplement dans cette terre, elles doivent monter vers le ciel, vers le trône même de Dieu dans le ciel qui est au-dessus du troisième ciel. Dans le monde surnaturel où Dieu établit son trône, Dieu règne d'éternité dans les perfections invisibles. La prière doit passer d'abord par la puissance de Dieu dans le temps, le troisième ciel, avant d'atterrir au lieu des perfections invisibles, lieu très saint. Gloire à Jésus. Je lis le livre d'Apocalypse 5, le verset 8 au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Acclame Jésus. Nous sommes en train de voir le processus de la montée
fruit de la prière. Lorsque ta prière est une prière excellente qui tombe sur ton esprit et ton bon cœur, la prière dans l'air devient une odeur, devient une vapeur, devient un encens qui doit remonter au ciel, devient comme du gaz qui doit entrer au ciel. Alléluia. Alors, puisque vers le chemin du ciel, dans la réalité invisible, il y a un carrefour, comme je l'ai dit, le troisième ciel. La prière ne peut pas dépasser en même temps, traverser en même temps le troisième ciel, sans. Et non, ne peut pas entrer en même temps dans le lieu très saint, dans les perfections invisibles, sans passer par le troisième ciel. C'est ça, non? La prière ne peut pas traverser directement le troisième ciel comme ça et entrer dans le ciel des perfections invisibles, sans s'arrêter d'abord au troisième ciel. Donc la prière atterrit d'abord ou au troisième ciel. Pourquoi? Pour que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu en esprit, en tant que Fils au troisième ciel, puisse lui-même interagir, y jouer un rôle là avec la prière, avant que la prière n'aille au lieu très saint où Dieu demeure, au trône de Dieu. Ah. J'espère que vous avez compris. Gloire à Jésus. Ceux qui sont dans les Écritures nous comprennent. Donc, ici on dit, quand il prit le livre, les 4 vivants et les 24, on dit Jean avait reçu des révélations. Tout Apocalypse n'est pas pour le futur. Mais Apocalypse a beaucoup parlé du passé, de la rédemption, de la dispensation de la grâce d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quand vous voyez les phrases de l'Apocalypse, ne pensez pas que c'est des événements simultanés, voilà, ou des événements chronologiques, voilà, ou des événements ascendants. Voilà. Mais c'est des événements qui sont mélangés, c'est-à-dire désorganisés, que nous, par le Saint-Esprit, nous sommes chargés d'organiser selon les dispensations. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, il dit, tenant chacun une harpe. Waouh! Donc, waouh, quel est le mystère de l'âpe? Le mystère de l'âpe est que lorsque nous prions et que notre prière tombe sur le bon cœur et que notre prière a été transportée au troisième ciel, il y a une joie au troisième ciel. Il y a une réjouissance. Lorsque tu pries et que ta prière est agréée par le ciel, il y a une cérémonie de louange dans le ciel. Waouh. Là, les gens disent, waouh, il a compris le mystère caché. Il a compris le mystère de la prière. Il a compris que, wow, que la prière n'est pas l'amusement. Il a réussi à les amener de la prière. C'est comme si quelqu'un, waouh, sur le chemin de la prière, vous savez très bien que sur le chemin, qui quitte, montrons-nous le chien de Jacob. Voilà, montrez bien l'image pour que les bien-aimés puissent voir. J'espère que tout le monde voit. Voilà. Voici l'image de l'échelle de Jacob que le Seigneur m'a permis de représenter. Acclame Jésus pour l'œuvre. Acclame Jésus pour cette œuvre. Gloire à Jésus. Nous allons utiliser toutes les manières afin que le peuple atteigne la dimension élevée de connaissance. Gloire à Jésus. L'échelle de Jacob, nous allons aborder sa main. Dans l'explication, je tiens à vous expliquer ce modèle en attendant. Parce que dans l'enseignement précédent, au niveau des régions invisibles de la divinité suprême de Christ, je vous ai parlé des trois dimensions du monde surnaturel, du monde spirituel, du monde physique. Du lieu très saint, du lieu saint et du lieu et du parvis. Voilà le lieu très saint du trône même de Dieu. Le reflet du trône de Dieu dans le temps, qu'on appelle la droite de Dieu, la puissance, le troisième ciel. Et le parvis. Alléluia. Donc, lorsque je prie et que ma prière tombe sur de bonne terre, la prière, lorsque elle monte, il y a le premier ciel, le deuxième ciel, qui sont des lieux célestes, mais qui sont dans la spiritualité de la terre. Puisque la terre est tout monde, alléluia, la terre est tout monde qui est au-dessous du troisième ciel, quel que soit spirituel ou physique. La terre, c'est-à-dire tout ce qui commence ici. Tout ce qui commence ici, regardez, ici c'est le troisième ciel. Ici c'est le ciel du lieu très saint au-dessus du troisième ciel. Alléluia.
Et voilà la terre du monde physique matériel. Et ici, c'est le premier ciel, le deuxième ciel, au-dessous du troisième ciel. Lorsque ma prière tombe sur le bon terre, elle traverse le premier ciel, le deuxième ciel, et atterrit au troisième ciel. C'est-à-dire, il n'y a pas de blocage à une prière qui est tombée sur de bonnes terres. Il n'y a pas de blocage à une semence qui tombe sur la bonne terre. Oh, la bonne terre, c'est l'esprit régénéré qui était autrefois altéré, mais qui a été rendu fertile par la semence qui est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ici, il y a le premier ciel. Il n'y a aucune barrière. Lorsque la prière est agréée par Dieu, la prière renverse les barrières. C'est bien, j'espère que vous prenez bien. Oui, vous zoomez. Montrez bien les détails pour que les bien-aimés nous suivent dans le rythme. Alléluia. Gloire à Jésus. Le premier ciel ne peut pas arrêter la prière qui tombe sur le bon terre. Lorsque tu pries sérieusement et que le Saint-Esprit a agréé tes prières et que tes prières sont des semences sur le bon terre de ton esprit, alléluia, je te l'assure, le premier ciel ne peut pas retenir tes prières. Il ne peut pas retenir tes prières. Les barrières physiques que les hommes établissent ne peuvent pas bloquer tes prières. Le premier ciel, qui est en réalité le monde que nous voyons, le monde des lunes, tout ça, le monde, c'est-à-dire des astres, tout ça, lié au deuxième ciel, au premier ciel, au deuxième ciel, ne peut pas bloquer ta prière. Le monde des cieux ne peut pas bloquer ta prière. Parce que la Bible dit dans Ephésiens que, autrefois, Ephésiens 2, autrefois, nous étions sous l'emprise de la puissance de l'air. Alors, la puissance de l'air est en réalité la puissance qui contrôlait tous ceux qui avaient semé leur semence sur de mauvaises terres. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été renouvelés par la parole, ni engendrés par la parole, ni régénérés par la parole. Alléluia. Alors, ils sont sous la puissance du prince de l'air. Donc, si toi tu fais une prière qui tombe sur les épines, tu fais une prière, une semence de la prière qui tombe sur les endroits pierreux, qui tombe dans les soucis, une prière dont toi-même tu ne crois même pas à la parole, à la régénération, à la connaissance de Christ, ou ta prière tombe sur le long du chemin, ta prière sera bloquée par le monde astral qui tend au premier ciel, au deuxième ciel. Il y a des esprits des frères. Lisez-moi le verset même pour que les bien-aimés puissent comprendre ce que je dis. Ephésiens 2, commencez par le premier. Oui. Ephésiens chapitre 2, le verset premier. Voilà. Vous étiez morts par vos offenses. Voilà. Celui qui n'a pas encore été régénéré, qui n'est pas lui-même devenu la bonne terre en esprit, est comparé à un homme mort par ses offenses. Et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La puissance de l'air. Donc, si tu n'as pas encore été toi-même la bonne terre en esprit, et que ta prière ne tombe pas sur de bonne terre, lorsque la prière, et ça dit, tu vas commencer par prier, tout ça c'est la terre. Ce n'est pas encore le troisième ciel. Donc la prière peut commencer par monter. Tu comprends? Ça peut être une prière qui commence à monter légèrement, mais sera bloquée par le monde astral. Il y a premier ciel, deuxième ciel. Or, nous savons que dans le monde astral, il y a des esprits qu'on appelle la puissance, le chef de la puissance de l'air. Or, nous savons très bien que la puissance de l'air, c'est les esprits des airs, les esprits du second ciel, parlant même du, commençant même par le monde des airs, qui est dans la spiritualité de la terre. Parce que tout ça, c'est les esprits de la terre. Mais en réalité, il y a d'autres qui sont dans les cieux de la terre. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous savons qu'au commencement, la terre dont on parle n'est pas simplement la terre physique. On touche les choses matérielles, mais il y a aussi des cieux qui sont dans la terre, mais qui sont des endroits spirituels, dans les régions célestes, mais au-dessous du troisième ciel. Et c'est parce que ces endroits sont au-dessous du troisième ciel qu'on les appelle la terre. Ah. Alléluia. Le diable,
lorsqu'il était précipité du ciel, après l'œuvre de la croix, même avant l'œuvre de la croix, nous savons très bien que le diable était précipité, le diable était descendu dans les régions inférieures de la terre, sous la terre, dans les airs, dans les mers, vous comprenez? Et un peu partout. Donc, en ce moment, comme Christ n'avait pas encore été à la croix pour prendre le livre de vie, le livre de la rédemption, le livre des sceaux qui a cacheté, comme Christ n'était pas encore allé au ciel même, puisque l'Écriture dit que nous avons souvent un sacrificateur qui a compati à nos faiblesses. La Bible dit quoi? Hébreux 9. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Hébreux 9 nous dit quelque chose. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Lorsqu'il a été crucifié à la croix, son esprit est allé dans le tabernacle plus grand et plus parfait. Il est entré dans ce lieu. Il dit quoi? Il a traversé. Traversé, s'il ne veut pas dire dépasser. Pénétré. Il a pénétré le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Qui n'est pas de cette création du monde spirituel. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ était à la croix, Jésus-Christ est venu dans le parvis sur la terre. Waouh! Le Saint-Esprit était dans un corps sur le parvis de la terre. Voilà le parvis. Jésus-Christ était là, au parvis, à la croix. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, c'est-à-dire le sacrifice a été fait, l'Esprit de Jésus, le Christ qui est dans le corps, est sorti. C'est pourquoi la chair était faible et il y a eu mort physique. Mais l'Esprit de Christ n'était pas mort. L'Esprit est comme le souverain sacrificateur, tandis que la chair était l'agneau parfait qui a reçu le péché du monde, qui a été crucifié à la croix, c'est-à-dire crucifié, sacrifié. Et l'Esprit est sorti du corps pour traversant, dépassant. Quand vous lisez bien Hébreux 4, alléluia. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ici, traverser les cieux dont on parle ici n'est pas pénétrer le tabernacle le plus grand, le plus parfait. Mais traverser les cieux, c'est-à-dire, il a traversé les cieux qui sont en dessous du lieu le plus parfait pour y entrer après. Dans Hébreux 4, verset 14, il s'agit de dépassement. Il a dépassé le troisième ciel et les autres cieux et a atteint le ciel des perfections invisibles. Mais quand on lit Hébreux 9, on dit traverser le tabernacle le plus grand et parfait. Est-ce qu'il y a encore un tabernacle après le ciel des perfections invisibles? Regardez. Est-ce qu'il y a encore un tabernacle ici après ça? Donc, quand on dit traverser dans Hébreux 9, verset 11, il ne s'agit pas qu'il a dépassé ce lieu pour aller dans un autre lieu, mais il s'agit qu'il a pénétré. Donc, d'abord dans Hébreux 4, 14, alléluia, il a traversé, il a quitté ici à la croix en esprit, il a traversé ce lieu comme ça, il est venu ici. Et comme il est venu ici, il a fait quoi? Il est venu ici, il a décelé le livre scellé de Apocalypse 5. L'Écriture dit, oh, un ange puissant qui est d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Mais Jésus-Christ est dit, un vieillard dit à Jean, ne pleure pas, car l'agneau immolé est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le livre, c'est le livre de la rédemption, puisque le premier sceau qui marque cette rédemption était lié à la représentation de Christ qui montait sur un cheval, gardant un arc. Or, nous parlons, quand la Bible parle d'arc, nous voyons l'arc-en-ciel qui était le premier symbole de la paix. Il avait un arc, mais c'était pour combattre une des tribus. La tribu, c'est-à-dire pour pouvoir anéantir l'œuvre du sacerdoce lévitique. Jésus-Christ est venu sur un cheval dans la révélation
pour pouvoir ôter l'autorité sacerdotale du sacerdoce lévitique qui opérait en ce temps. C'est pourquoi il avait un acte. En réalité, l'acte était un acte de paix depuis que Noé, il a tissé une alliance avec Noé, ne plus détruire la terre. Alléluia. Mais lorsque la loi était venue, la loi a rendu cette paix non manifestante. Et l'Écriture va dire dans le livre de Ésaïe 9, verset 5, le prince de paix viendra. En réalité, le prince de paix, c'est celui qui est l'acte, qui travaille avec l'acte. Mais comme il doit d'abord annuler la loi qui opérait, l'accomplir d'abord, le révoquer, et comme c'est le sacerdoce lévitique qui opérait, qui gardait la loi comme garantie, comme sacerdoce dans le temple, il faut d'abord qu'à la croix, par le tout est accompli, à la croix, la loi fut accomplie, et que le sacerdoce soit changé par le Saint-Esprit. Ça, c'est la guerre que Jésus a menée à la croix. Il est venu comme un guerrier sur un cheval blanc ayant un arc à la main. C'était pour combattre quoi? Un système qui était en place. Renverser le système et établir son propre système. Donc c'est la rédemption qu'il est venu accomplir afin d'annuler le sacerdoce lévitique, d'établir le sacerdoce royal provenant de la tribu de Juda, de l'ordre de Melchisédek. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc il est allé dans le lieu très saint, il a renversé le diable, parce que le diable pouvait monter encore au lieu très saint pour accuser les hommes, pour inciter, etc. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Apocalypse 12 qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang que Jésus a versé, l'Écriture dit qu'il a apporté son sang dans le lieu très saint. 14, combien plus le sang de Christ qui prend l'Esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et l'Écriture dit quelque part que dans le verset 23, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées. Le diable avait souillé tout l'univers céleste. Quand je parle de l'univers céleste, je parle des cieux avant le ciel des perfections invisibles. Et il pouvait monter, faire ce qu'il voulait et accuser les hommes. Mais l'Écriture dit quoi? Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette même manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc le sacrifice de Christ a fait quoi? A purifié les cieux pour nous donner accès au ciel. Donc celui qui prie aujourd'hui à Jésus, qui est régénéré, il n'y aura aucun obstacle parce que le diable a été combattu. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon ne fut pas le plus vainqueur. Ses anges n'ont pas été les vainqueurs. Ils ont été précipités. Mais lorsqu'il était précipité, il ne peut plus aller au ciel même. Il ne peut plus accuser les hommes au trône de la grâce. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il se met dans les airs, dans les mains, sous la terre, spirituellement, dans le but de combattre ceux qui sont appelés à obtenir l'héritage de la rédemption. C'est pourquoi ceux qui ne prient pas sur le bon terre, ceux dont leur semence ne tombe pas sur le bon terre, leur fumée va commencer par s'élever, mais sera éteinte sur la terre. Parce que le deuxième ciel, le premier ciel, tout ça, c'est sur la... C'est-à-dire, c'est la terre même. Or, c'est des cieux, mais dans la terre, parce que c'est sous le troisième ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'es pas... Ta prière n'est pas spirituelle. Ta prière est charnelle. Ta prière est basée sur les choses de ce siècle présent. Ta prière n'est pas sur les lois spirituelles du royaume de Dieu. Tu vas prier. Mais tu ne seras jamais exaucé. Parce que la fumée que tu lances est une fumée qui peut être éteinte, qui peut être chassée, qui peut être bloquée par le prince de l'esprit de l'air. Or, le prince de l'esprit de l'air, c'est le diable qui est retenu dans les airs. Parce que lorsqu'il est descendu, il a pris le monde entier en domination. Or, la Bible dit quoi? Dans 1 Jean 5, 19, que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Or, quel est le monde entier qui est sous la puissance de l'ennemi? Le monde depuis le deuxième ciel à la terre. Le monde sous le troisième ciel, sous le lieu de repos. Parce que le lieu de repos se trouve quelque part ici, sous le troisième ciel. Mais dans la terre. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Donc le monde entier est sous la puissance du malin. Je dis que depuis le deuxième ciel, premier ciel, terre physique,
tout ce monde, la mer sous la terre, est contrôlée par le diable. Alors pour que tes prières dépassent ce monde, il faut qu'elles puissent avoir une puissance qui n'est pas basée sur les choses, sur des lois terrestres. La terre a ses lois. Il y a les lois spirituelles de la terre et les lois spirituelles du ciel. Or, les lois spirituelles du ciel sont organisées, coordonnées au troisième ciel par Jésus-Christ homme. Alléluia. Jésus-Christ homme est celui qui donne des lois spirituelles. Or, le diable est celui qui donne les lois terrestres. Et c'est pourquoi plusieurs hommes pratiquent des lois terrestres. Et leurs prières ne sont pas agréables à Dieu. C'est pourquoi, si tu veux que ta prière soit exaucée, prie pour Dieu et non pour toi. Waouh! Celui qui prie pour Dieu trouvera ses réponses exaucées. Mais comment prier pour Dieu? Il faut connaître les besoins du Saint-Esprit dans ton homme intérieur. Parce que le Saint-Esprit habite dans ton esprit, il a des besoins. Le Saint-Esprit doit manger dans ton esprit. Le Saint-Esprit doit consommer. Le Saint-Esprit doit faire des mouvements. Alors, qu'est-ce qui nourrit le Saint-Esprit? C'est la parole qui te donne, que tu lui donnes en retour, qui le nourrit dans ton esprit. La vie de consécration nourrit le Saint-Esprit. La vie d'adoration nourrit le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand la prière... Waouh, dans Apocalypse 5, verset 8, c'est ça, non? Pourquoi quand la prière est allée au troisième ciel, il y avait de la harpe? La harpe symbolise l'adoration. Ce qui veut dire qu'une prière qui va dans le banquet, qui monte au troisième ciel, est une prière accompagnée d'adoration. Or, dans l'adoration, nous avons le sacrifice d'un cœur agréable à Dieu et des sacrifices de foi. Ah, acclame Jésus. Si ta prière n'est pas accompagnée d'adoration, elle sera bloquée dans les airs. Voilà le royaume des airs. Quittant le premier ciel, en allant au second ciel, il y a un blocage, il y a des esprits des airs. Lisez-moi le livre de Éphésiens. Éphésiens 6. Nous n'avons pas lutté. Hein? Beaucoup prient, ils sont en Christ. Ils prient, prient, prient. Mais non, ils ne voient rien. Parce que ça ne quitte pas la terre. Ta prière ne quitte même pas la terre. Or, voici la terre. La terre physique, le parvis, composé de la terre physique, le monde matériel, le monde spirituel, terrestre, au-dessous du troisième ciel, au-dessous du troisième ciel. Le premier ciel, le deuxième ciel sont de la terre, dans la terre, et au-dessous du troisième ciel. Ta prière ne quitte même pas ce lieu. La fumée, lorsqu'il arrive ici, le royaume des pestes, les esprits des airs bloquent cette prière. Ils empêchent cette prière de monter. Or, la prière doit d'abord monter ici. Et c'est lorsque la prière monte au troisième ciel ici. Ici, c'est le troisième ciel. Lorsque la prière monte au troisième ciel ici, c'est là que la prière entre dans la coupe d'or. La coupe d'or est en réalité la coupe dans laquelle est mis les parfums. Lorsque les prières arrivent à dépasser les barrières spirituelles érigées par les perses, érigées par les esprits des airs. Si ta prière arrive à dépasser les deux niveaux, ils atteignent dans les coupes d'or. Mais si ta prière est charnelle, ta prière ne monte pas. Lorsque tu ne pries pas pour Dieu, lorsque tu ne connais pas les besoins de Dieu dans ton esprit, lorsque tu ne connais pas les choses d'en haut, lorsque tu ne pries pas concernant les réalités célestes pour toi, tu verras toujours les fumées monter, mais ils n'iront même pas au ciel, au troisième ciel, avant d'aller ici. Donc la prière, c'est un exercice, un combat. Et ce n'est pas les lois charnelles qui donnent exaucement aux prières, mais c'est des lois spirituelles. C'est pourquoi l'Écriture dit, marcher sur l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La chair a ses lois qui sont des lois terrestres. En réalité, qui donne les lois charnelles, qui donne les lois terrestres, c'est celui qui est de la terre. La Bible dit, celui qui est de la terre parle comme la terre. Or, celui qui est né d'esprit parle et agit selon l'esprit, étant donné qu'il est fils du royaume céleste de Dieu. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes appelé fils de Dieu. En réalité, les prières des fils de Dieu dépassent facilement ces deux lieux, parce que ces prières sont accompagnées d'adoration, ces prières sont accompagnées de sacrifices, ces prières sont accompagnées de parfums de bonne odeur. Ceux dont leurs prières sont bloquées au deuxième ciel, dans le monde des saints, dans le monde astral, c'est ceux dont les prières en réalité sont des mauvaises odeurs.
l'odeur. Est-ce que l'odeur que tu dégages est une odeur de vie ou de mort? Si tu produis une odeur de mort, ta prière ne peut même pas quitter la terre physique, même, ne peut même pas traverser les deux niveaux, premier, deuxième, pour entrer au troisième ciel. C'est pourquoi produisons l'odeur de vie et soyons nous-mêmes l'odeur de vie pour que nos prières aillent dans les coupes d'or du troisième ciel. Acclame Jésus. Oui. On voulait lire Éphésiens. J'espère que les bien-aimés ont bien vu. Le verset 12 au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, voilà, contre les princes de ce monde. Donc il y a des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres. Je ne vais pas tout les enseigner, mais je sais et je vous enseigne qu'il y a des esprits logés dans les lieux célestes, mais qui sont dessous du troisième ciel, mais et dans la spiritualité terrestre. C'est-à-dire des lieux qui sont des lieux célestes, mais qui sont encore appelés des lieux qui sont basés sur des lois terrestres. Donc, ta prière doit dépasser ces deux niveaux, le premier, le deuxième, pour atteindre le troisième ciel. Oui? Oui, continue à l'étude. Non, la Bible dit, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, prenez les armes de Dieu. Alors, quelles sont les prières qui sont agréées par Dieu? Citez les armes avec lesquelles on fait ces prières. Amen. Si tu veux que ta prière dépasse, ne sois pas bloqué par les esprits des cerfs, les démons des cerfs, les dominations des cerfs, alors, il faut faire quoi? Tenez donc ferme. La fermeté. L'Écriture parle que d'autres, leurs prières ne montent pas. Leurs prières ne tombent pas dessus de bonne terre parce qu'ils nous manquent de fermeté. Parce qu'ils ne persistent pas. Par la révélation, on avait expliqué ça. Mm-hmm. Dans la partie précédente. Hein? La fermeté est obligatoire. Mm-hmm. Pour tes prières, fasse quoi? Puisse aller dans le bonne terre. Quitter les. Voilà les bonnes terres. Même d'autres là, d'autres pour d'autres, ça ne quitte même pas les bonnes terres. Mm-hmm. Ça n'entre pas d'abord même dans le bonne terre, ici, dans le monde physique, dans l'esprit. Mm-hmm. Ça ne va même pas là. Ça va dans la chair. Il sème dans la chair pour la corruption. Il ne sème pas pour l'esprit. Or, celui qui sème dans l'esprit moissonne l'esprit. Donc, leur prière est toujours charnelle. Il y a d'autres, ils moissonnent. C'est là le niveau où on dit qu'ils moissonnent dans les endroits pireux. Ils moissonnent un peu. Ils trouvent de place et moissonnent un peu dans l'esprit. Mais un peu, ça descend encore. Parce qu'il n'a pas eu de persistance lorsque les esprits méchants sont venus. Alors, ils viennent ôter la prière pour que la prière ne soit pas réalisée dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Écriture parle de quoi? De la fermeté. La fermeté, et, oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité est aussi importante. Mm-hmm. La cuirasse de la justice. Hein? Mettez pour chaussures à vos pieds. Voilà comment il faut se revêtir pour prier. Hein? Le zèle que donne l'évangile de Père. Uh-huh. Prenez pas dessus tout cela, le bouclier de la foi, uh-huh, avec lequel vous pourrez éteindre tout les traits enflammés de l'ennemi. L'ennemi enverra des traits, des tentations, mais prie avec ces amus-là pour ne pas que le blocage qui provient des esprits des airs puisse avoir le pouvoir sur toi. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Waouh, la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. Pour que votre prière dépasse ces niveaux, il ne suffit pas d'avoir la fermeté, il ne suffit pas d'avoir d'être dans la justice, il ne suffit pas d'être dans la vérité, il ne suffit pas d'avoir la foi, il ne suffit pas d'avoir le zèle, la quoi encore, les amus, il ne suffit pas d'avoir la parole de Dieu aussi. Voilà. Tu as tout. Mais tu vas dire, mais d'autres vont dire, mais j'ai tout ça, mais mes prières ne sont jamais répondues. Effectivement, tu n'as pas compris. Il faut payer le prix. Christ a payé le prix une fois pour toutes. Mais toi, tu n'as aucun prix à payer pour que la grâce de Dieu se manifeste. Mais lorsqu'on est dans les lois spirituelles, il y a un prix à payer. Amen. Parce que tu as fait sa part, tu fais aussi ta part.
Et la part que tu fais n'est pas cette part qui t'aide à l'accomplissement des choses. C'est Dieu qui t'aide, qui fait tout à ta place. Mais ce que toi tu as fait, c'est de faire quoi? D'obéir à certaines lois, certaines lois spirituelles, certaines réalités. Et ces réalités sont quoi? Continue la lecture. Faites en tout temps par les. Nous allons finir encore là. Toutes sortes de prières. Ne prie pas, ne fais pas ces prières. Utilise toutes sortes de prières. Quand on dit toutes sortes de prières, est-ce que tu sais les différents types de prières qui sont dedans? Ah, j'ai prié. Et tu dis, oh Seigneur, oh, c'est fini. Tu t'arrêtes là. Non, c'est pas fini. Il y a toutes sortes de prières. Plusieurs types de prières. C'est là nous parlons des parfums qui sont des prières. Mais en réalité, qu'est-ce qui produit le parfum? C'est le sacrifice qui produit les fumées. Donc, une prière sans sacrifice ne peut pas monter. Ça ne montera pas la foi, mais ça descendra pas la tentation. C'est pourquoi faisons quoi? Accompagnons nos prières de sacrifice. Nous allons comprendre les sacrifices dont on parle. Ce n'est pas la loi de Moïse. Non, mais c'est quoi? Ça fait partie des actions de grâce. Oui? Et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. Persévérance! Et priez pour tous les saints. Pour tous les saints. Amen. Donc, la prière qui monte aussi, c'est une prière où tu te lèves, tu intercèdes. Nous avons vu quelque part, c'est quand Job a fini de prier pour ses amis, que Dieu lui donne au double de sa bénédiction. Prions, intercédons aussi pour les autres. Et nous verrons que nos réponses aussi seront exaucées. Dieu tient compte de tous ces paramètres pour nous exaucer. Gloire à Jésus. Donc, nous avons compris que les prières qui montent au troisième ciel, voici le troisième ciel. Est-ce que les bien-aimés, vous voyez? Troisième ciel, ici, là, nous allons venir à là. Le troisième ciel, c'est la droite de Dieu. Ça, c'est la droite de Dieu. Donc, les prières qui viennent ici, au troisième ciel, avant d'aller au lieu très saint, dans les perfections invisibles, sont d'abord des prières, comme je l'ai dit, qui dépassent le premier ciel et le deuxième ciel. Et les démons, les esprits des airs, n'ont aucune force pour renverser ces prières. Une prière qui obéit aux lois spirituelles des actions de grâce, aux lois spirituelles des semences, aux lois spirituelles de l'engendrement de la parole, aux lois spirituelles des odeurs, des parfums spirituels, etc. Ces prières ne peuvent pas être bloquées, viennent ici directement. Gloire à Jésus. Maintenant, si ces prières viennent au troisième ciel, qu'est-ce qui se passe après? Elles sont transportées où après? Lisez-moi le livre. On en parle des rapes. Dans Apocalypse 5, verset 8. Donc on dit que lorsque la prière est accueillie au troisième ciel, le ciel est en joie. Le lieu saint est en joie. Les anges utilisent la râpe, glorifient Jésus. Et les 24 vieillards se prosternent. Et c'est une joie pour le ciel qu'une prière puisse accéder. Mais rien n'est difficile à ce que notre prière soit exaucée. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a aucune difficulté si nous mettons en pratique la parole de Dieu. C'est clair, hein? Voilà. Apocalypse 8, verset 3 à 4. Je lis le livre de Apocalypse, chapitre 8, le verset 3, au nom de Jésus. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Vous voyez, c'est des anges qui transportent les prières. Nous allons venir à ce niveau. C'est des anges, c'est-à-dire qu'il y a une activité sans cesse des anges. Nous allons venir là. Waouh, ce sera merveilleux. Acclame Jésus. Amen. Ici, nous sommes en train de parler des prières, mais nous n'allons pas trop parler des anges. Mmh. Continuons notre enseignement. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel. Waouh! L'autel, j'ai parlé de l'autel des parfums. Qui en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus de voile. Voilà où, avant l'autel des parfums était ici. Voilà là où se situait l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle. Et cela représente aujourd'hui le trône de Dieu. L'autel des parfums était ici devant et il y avait un voile qui cachait. Avant, dans la loi de Moïse, il y avait un voile ici qui cachait, qui empêchait au parfum d'aller vers Dieu. Et c'est une fois par an que le voile est ouvert et le parfum entre. Or, la loi était inefficace. Donc aujourd'hui, les prières que nous faisons sont des parfums. Lorsque elles arrivent à traverser la droite de Dieu, il n'y a plus de barrière. Lorsque ces prières plutôt traversent les deux, le premier ciel, le deuxième ciel, et entrant à la droite de Dieu au troisième ciel, ces prières n'ont plus aucune barrière. Parce que du troisième ciel au septième ciel, il n'y a plus de régions célestes où le diable opère. Les prières quittent en même temps
le troisième ciel pénètre en même temps. Les anges le font, ça c'est en vitesse de lumière que tout se passe. Et ces anges transportent les prières qui étaient déjà dans les coupes d'or. Donc lorsque la prière est reçue par Dieu, la prière va dans les coupes d'or du troisième ciel. Et c'est là que les 24 vieillards adorent Dieu, réjouissent Dieu. Les anges aussi sont contents et jouent de la rap. Et les prières sont placées. Donc on prend les prières alors, on les positionne. On prend les prières dans le troisième ciel. On fait quoi? On met les prières dans les ascenseurs d'or. Voilà. Donnez-moi le téléphone, je montre quelque chose. Voilà. Voilà à quoi ressemblent les coupes d'or des prières. Ça, c'est physiquement dans la loi, mais c'est spirituellement. Tout est spirituel. C'est comme ça, tout est dans le spirituel. Voilà. Les coupes d'or. Ou encore ascenseurs d'or qui recueillent les prières. C'est bon? C'est bon. Ok. Lorsque la prière monte au troisième ciel, cette prière, les anges mettent ça dans les ascenseurs d'or ou les coupes d'or. Les disposent. Et c'est avec ces coupes que les anges transportent la prière et amènent ce n'est plus devant le voile, mais dans l'autel des parfums. Dans l'autel des parfums est ici, quelque part ici, ou ici. En tout cas, nous, on a écrit le nom ici, mais en réalité, c'est devant le trône. L'autel des parfums, il n'y a plus de voile. Dans le ciel des perfections invisibles, l'autel des parfums est devant le trône. Il n'y a plus de voile qui le sépare. Donc, les anges transportent la prière depuis le troisième ciel à vitesse de seconde de lumière et amènent en tiers de lumière, amènent la prière sur l'autel des parfums ou amène les parfums ou les encens sur l'autel des parfums ou encens pour des brûlures. Là, on brûle les parfums. Pourquoi on brûle les parfums? Pour que les odeurs des parfums puissent aller à Dieu sur son trône. Alors, si tu fais une bonne prière en pratiquant la sainte doctrine, les lois, la sainte doctrine, c'est les lois spirituelles du royaume. Lorsque tu mets en pratique les lois spirituelles du royaume, ta prière monte à Dieu sur son trône. Ici, c'est la droite de Dieu. Jésus-Christ est Dieu ici, mais pas en tant que, ça dit, il opère en tant que médiateur. Ici, il opère en tant que Père. Christ est Dieu, Fils ici dans le troisième ciel. Il est Dieu, Père dans le ciel des perfections invisibles du trône éternel de Dieu. Gloire à Jésus. Donc nos prières montent ou nos prières montent sur l'autel d'or des parfums après avoir quitté les coupes d'or. Alors je vous montre comment, à quoi ressemble l'autel d'or des parfums. Relisez le verset. Apocalypse 8, quoi? 3, non? 8, 3. Mm-hmm. Un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Donc c'est l'activité des anges. Hein. Mm-hmm. C'est ça l'échelle de Jacob. On va venir. Les anges montant et descendant sur le fils de l'homme. Voilà. Wow. Je vis le ciel ouvert. Et il y avait quoi? Jésus dit, il y avait le ciel. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Ah. Les anges montent et descendent sur le fils de l'homme. Voilà le fils de l'homme. Le fils de l'homme est à la médiation. Le fils de l'homme est à la droite de Dieu. Or la droite symbolise la puissance. Le chiffre 3, la puissance. Mm-hmm. Et Dieu est au lieu de la perfection totale. Le tabernacle le plus grand, le plus parfait, là où le trône de Dieu est, comme dans l'ancienne alliance, dans l'âge de l'alliance, qui est le lieu très saint dans le tabernacle. Waouh! Donc, celui qui prie dans sa prière, monte sur de bonnes terres dans son esprit, la prière fait quoi? La prière traverse, les anges transportent la prière. Yeah. Yeah. En esprit, hein, tout se passe. C'est pourquoi vous allez voir sur le ciel des anges monter, 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 monter. Et lorsqu'ils traversent ça, aucun ange, je vous dis la vérité, il y a une guerre spirituelle. Waouh, je vous dis, c'est un mystère. Lorsque les anges prennent nos prières, vous savez que cela, ce n'est pas que comme nous disons que les prières montent au troisième ciel, lorsque ces prières ont été approuvées, qu'il n'y a pas de combat. Avant que les prières n'entrent au troisième ciel, les anges subissent des combats. Mm-hmm. C'est pourquoi il faut des prières de combat spirituel. Lorsque tu pries un peu pour demander tes besoins à Dieu, combat en même temps. Si tu ne le fais pas sur terre, les anges ne le feront pas dans le monde spirituel. Christ a déjà vaincu, a déjà accompli le plus grand combat spirituel. Mais tu dois prendre conscience que sur le chemin, l'ennemi se guide. C'est pourquoi on dit que
Nous n'avons pas lutté contre la chair, nous sommes, mais contre les dominations. Pourquoi nous devons lutter contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, malgré que Christ puisse les vaincre à la croix? Il les a vaincus à la croix, mais nous sommes encore sur terre. Alors pour que la prière quitte la paix pour le ciel, il faut un combat. Parce que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Or, ce monde entier, il y a le premier ciel, le second ciel, il y a le monde spirituel terrestre, des réalités célestes de Satan sous le troisième ciel. Nous devons combattre sur terre. Et lorsque nous prions, nous activons les anges qui opèrent dans le monde invisible, dans les réalités célestes. Quand je prie, je demande quelque chose à Dieu et que cette semence tombe sur de bonnes terres. Je respecte les lois du royaume, les lois spirituelles et principes de justice du royaume. Quand je respecte tout, le dernier niveau, c'est que le diable va chercher à ôter la prière. Le diable va chercher avec quoi? À déclencher une guerre spirituelle. Alors si je suis spirituellement faible, la prière ne peut pas monter. C'est pourquoi je dois déclencher quoi? Une guerre. Lorsque tu pries, tu dis maton, les anges utilisent. Spirituellement, ces anges montants sont des anges guerriers aussi. Il faut quoi? Ils combattent dans le monde spirituel. Donc, lorsque ma prière, je prie, les anges prennent ma prière. Mais avant que la prière n'atteigne le troisième ciel, les anges doivent faire quoi? Les anges doivent combattre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la victoire pour moi. Je ne prie pas pour avoir la victoire. Je prie parce que j'ai déjà la victoire. Je ne prie pas pour avoir la victoire, mais je prie parce que je suis déjà victorieux. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir la victoire sur les esprits méchants si Jésus ne fait pas la croix accomplir la victoire sur les esprits méchants. Et c'est la victoire de la croix qui nous donne la victoire, qui nous permet d'avoir une garantie que le combat que nous menons, nous sommes déjà victorieux avant de le mener. Gloire à Jésus. Alors, les anges prennent, ils montent. Avec les parfums, les prières, qui sont les parfums spirituels. Et ils viennent descendre, si ils réussissent la victoire contre les esprits méchants, ils descendent, c'est pourquoi tu dois mener une vie de prière, de combat aussi. Donc tout esprit qui bloque ma bénédiction, qui bloque la montée de mes prières, tu vas faire ces prières. Quel type de prière faut faire? Seigneur, oui, Seigneur, je veux que ma vie spirituelle soit bénie. Seigneur, je veux que tu m'accordes les bénédictions spirituelles d'en haut. Je veux que tu m'accordes l'intimité avec toi. Je veux te connaître davantage. Je veux te connaître en largeur, en hauteur, en profondeur, en longueur. Seigneur Jésus, accorde-moi le fruit de l'esprit. Seigneur, je veux le fruit de sainteté. Tu l'as déjà reçu. Mais tu dis encore, Seigneur, je m'adapte à ces paroles. Ces paroles sont en moi. Seigneur, je suis le fruit de sainteté. J'ai le fruit de la parole. En réalité, tu réadaptes tout ce qui est doctrinal dans ta vie. Ah. Et lorsque tu le fais, qu'est-ce qui se passe? Ta prière va dans les coupes d'or. C'est comme tu reçois un trophée, non? Quand les athlètes sur la terre combattent là, ils reçoivent des trophées. Effectivement, ils reçoivent des trophées. C'est de la même manière que lorsque ma prière monte sur le bon terrain, je reçois des trophées. Et c'est ce trophée que nous appelons la coupe d'or des parfums. Et c'est lorsque ce trophée monte au troisième ciel, non, c'est lorsque cette prière monte dans la coupe d'or au troisième ciel, qu'il y a louange, qu'il y a réjouissance, que les rapports c'est témoignent de la grandeur de Dieu. Et je reçois le témoignage de Dieu. Gloire à Jésus. Et lorsque la prière quitte le troisième ciel, vous allez voir, il n'y a plus de réalités sataniques ici. Parce que c'est sous la terre, non, c'est sous le troisième ciel qu'ils sont. Ils ont le pouvoir sous le troisième ciel. C'est quoi sous le troisième ciel est appelé monde où le diable règne. N'aimez pas le monde, c'est de ce monde dont on parle. Le monde influencé par les airs, par la mer, par sous la terre, etc. où le diable règne. Mais Jésus nous a placés où? Pour que nos prières puissent surmonter les niveaux des airs, les esprits méchants. Jésus nous a placés où? Nos pieds sont où? Nous vivons ici, physiquement ici. Mais comme notre esprit est régénéré, Dieu déplace son trône, met en nous en esprit. Et quoi qu'il se passe? Nos esprits sont logés au troisième ciel. La Bible dit dans Éphésiens, il nous a ressuscité et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Alors pour avoir le pouvoir sur les esprits qui sont dans les lieux célestes, mais sous le troisième ciel, il faut être placé plus haut que les esprits qui sont sous le troisième ciel.
C'est pourquoi dans Ésaïe 52, verset 13, l'Écriture dit quoi? Mon serviteur s'élèvera, il montera plus haut. Je lis l'Écriture. Ésaïe 52, verset 13. Voici, mon serviteur prospérera. Alors, je prospérerai comment? Lorsque ma prière est sur de bonnes terres, mon esprit est régénéré. Or, l'esprit régénéré n'est plus un esprit terrestre, mais un esprit céleste, divin, habitant dans un corps terrestre. Alors, je suis placé plus haut, puisque je suis devenu un être céleste, membre du royaume spirituel du troisième ciel, où Jésus-Christ règne à la droite de la puissance de Dieu. Et comme Jésus-Christ est à la droite de la puissance de Dieu, et grâce à ses ennemis, il m'a aussi donné le pouvoir de me lever plus haut par ma régénération, afin d'être au troisième ciel, écrasant les dominations, les principautés qui sont dans les régions célestes, dans les lieux terrestres, célestes, sous le troisième ciel. C'est-à-dire sous le troisième ciel, le diable et ses esprits qui sont dans les lieux célestes. Mais dans la terre, le monde spirituel de la terre, je les domine. Donc, il m'a élevé plus haut. Alors, ma prière ne peut pas être bloquée si je pratique les règles. C'est pourquoi l'Écriture dit que dans le livre de 2 Timothée 2, l'athlète ne peut pas être couronné s'il ne suit pas les règles. Ces règles ne sont pas des règles Chanel ou des lois Chanel. Non, non, non. Il s'agit des lois spirituelles du royaume de Dieu. 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça, c'est. Il est en train de faire quoi? Il est en train de déraciner les épines. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc les règles en réalité dont on parle, c'est des règles spirituelles, des lois spirituelles. Ce n'est pas les lois Chanel, les interdictions des listes de lois de la loi de Moïse, non. Mais il s'agit des lois du Saint-Esprit, de la Sainte Doctrine. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi l'Écriture, c'est pourquoi la couronne que reçoit nos prières, c'est la coupe d'or qui reçoit nos prières selon Apocalypse 5, 8 dans le troisième ciel. Maintenant, il dit encore, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruit. En réalité, le semeur devient un laboureur. Après avoir semé, il doit labourer. Et quand il finit de labourer, il sème, il organise le jardin, il laboure encore et met de l'ordre dans le jardin. C'est pourquoi mon esprit est ce jardin qui, après avoir été défriché spirituellement, je dois continuer à faire quoi? À mettre de l'ordre selon les règles spirituelles en travaillant pour recueillir des fruits qui sont des couronnes. C'est pourquoi la couronne des prières est appelée la coupe d'or des parfums. Et cette coupe d'or des parfums est transportée par un ange pour aller au lieu très saint devant le trône de Dieu, le trône éternel de Dieu. Alors ce trône, c'est le trône de la gloire de Dieu. Donc, dans le trône éternel de Dieu, cette coupe d'or de parfum est déposée où? Sur l'autel d'or des parfums. Apocalypse, on lit Apocalypse 5. Apocalypse 8, 3. 8, c'est 5? 3. Et un ange vint. Voilà l'autel d'or des parfums. Et il se tient sur l'autel, ayant un encensoir d'or. L'encensoir d'or, c'est la coupe d'or. Oui. C'est le trophée que tu as reçu lorsque Dieu a dit ta prière. Voilà. Lorsque Dieu voit que tu es obéi, tu es un laboureur qui obéit aux lois de la terre. Le laboureur doit connaître les lois de la terre, pas de la terre spirituelle, la terre qui laboure physiquement. Dans la révélation, je suis devenu ce laboureur qui doit connaître les lois spirituelles de ma terre qui n'est pas Chanel, mais spirituelle. Et donc, la Bible dit, on lui donna beaucoup de parfums. Wow, beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrit. Il va les offrir à qui? Dieu. Oui. Sur l'autel des parfums. Pour que les parfums montent. Avec les prières de tous les saints. Wow. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Wow, devant le trône. Est-ce qu'on l'a dit devant le voile? Est-ce que l'Écriture dit que l'autel des parfums est devant le voile? Ça, c'est la loi. Mais lorsque Jésus dit tout est accompli, le voile est déchiré.
Et lorsque le voile est déchiré, l'autel de parfum se situe dans la salle du trône. On dit la salle du trône. La salle du trône, ce n'est pas au troisième ciel. Le troisième ciel n'est que le reflet temporel de la dispensation du temps dans la droite de Dieu. Or, le temps est les dispensations dans lesquelles Dieu opère la manifestation de sa droite, de sa puissance en faveur des hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Donc, voilà comment nos prières montent. Est-ce que tu veux que ta prière monte ici? Est-ce que tu veux comme ça? Si tu veux, obéir aux lois spirituelles. Et Jésus va faire de grandes choses dans ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Lisons ce passage. Psaume 141, verset 2. Amen. J'aime la parole. Amen. J'aime la parole. Hein? Que ma prière soit devant ta face. Comme l'encens. Écoutez très bien. Voyez le tableau du chef de Jacob. Que ma prière soit devant ta face comme quoi? Comme de l'encens. Comme l'encens. Voilà. Comme l'encens, c'est les prières, non? Mm-hmm. Les prières des saints qui traversent ces étapes, qui quittent les coupes d'or, transportées par les anges, ces coupes d'or, qui montent à l'autel des parfums, mm-hmm. où les prières sont comme des parfums brûlés. Mm-hmm. Ça se passe spirituellement. Je dis que c'est des choses qui se passent réellement, des coupes d'or réelles, mais dans le monde invisible. Waouh! Alors, relis la parole. Mm-hmm. Que ma prière soit devant ta face. Où est la face de Dieu? Donc, Daniel, venez montrer sur le tableau. Dieu lui-même, où sa face est? Gloire à Jésus. Est-ce que il se représente dans le temps? Voilà. Mais est-ce que c'est sur la terre physique, dans la terre spirituelle, dans la réalité céleste, mais dans la spiritualité de la terre, mm-hmm. ou au troisième ciel? Ou au lieu très saint des perfections invisibles dans l'éternité. Gloire à Jésus. Au-dessus du temps. Ce monde est au-dessus du temps. Amen. Où est la face de Dieu? Amen. Selon quand on dit cherchons la face de Dieu, où se situe la face de Dieu? Selon la connaissance que j'ai, je sais que c'est le Seigneur Jésus qui est la face de Dieu révélée. Voilà. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 18, que personne ne peut connaître le Père. Si c'est le Fils. Le Fils. Et pour dire, c'est le Fils qui l'a fait connaître. Donc c'est la face. La face de Dieu, c'est le Fils. Mm-hmm. Donc, celui qui voit le Fils voit la face de Dieu. Mm-hmm. Donc, la Bible nous dit que Jésus est allé maintenant à la droite de Dieu. Mm-hmm. Là, je peux dire que la face de Dieu, c'est à la droite de Dieu. Okay. Mais mm-hmm. dans le lieu surnaturel, mm-hmm. la face de Dieu, c'est le lieu très saint. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, le docteur, il est allé en détail. Le lieu, la face même de Dieu est dans le monde surnaturel. Au lieu pressé, le lieu de perfection visible. Donc c'est le ciel de la perfection où Dieu établit son trône. Mais au troisième ciel où Dr Daniel a parlé de la droite de Dieu, ce n'est juste que la représentation spirituelle de la face de Dieu. Aujourd'hui, quand nous voulons chercher la face de Dieu, nous devons passer par le Fils. Parce que c'est le Fils qui révèle la face du Père. Mais l'Écriture dit que, waouh, les anges de Dieu sont continuellement à la face de Dieu pour ces petits enfants. C'est vrai, il dit quoi? Ne faites pas du mal à ses enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Car continuellement, leurs anges, où sont-ils? Sont devant la face de votre Père qui est dans les cieux, de Dieu. Donc la face de Dieu, c'est ici. C'est au lieu très saint, au ciel des perfections invisibles. Le ciel au-dessus même du temps. Car au-delà même du spirituel, dans le surnaturel. Alléluia. Mais le troisième ciel, j'ai juste une représentation spirituelle, une révélation qui nous permet d'aller vers Dieu. Donc, pour aller à Dieu, il faut passer par le troisième ciel où Jésus est assis à la droite de Dieu afin d'atteindre le trône même de Dieu dans son éternité, par nature. Gloire à Jésus. Donc, relis la phrase. Que ma prière, Psaume 141, le verset 2, la Bible dit que ma prière soit devant ta face. Que ma prière soit devant ta face. Où est la face en réalité? Ce n'est pas ici. Mm-hmm. Ici. Amen. Que ma prière soit au bon nom de Dieu. À la propitiation. Ici, c'est la propitiation. Le trône de faveur de Dieu. Mm-hmm. Que ma prière soit quoi? Que ma prière soit devant ta face. Ce n'est pas devant le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Il n'y a plus de voile ici. Or, avant de la loi, l'autel de parfum est ici.
devant le voile. Jésus a déchiré le voile. Donc, que ma prière soit, ça c'est continuellement, toujours, régulièrement, devant la face de Dieu. Ici, que les anges transportent jusqu'à la face de Dieu, afin que l'autel des parfums, devant le trône de Dieu, puisse répandre l'odeur du parfum à Dieu, pour que Dieu agrée le sacrifice de mes prières comme un parfum de bonne odeur, afin d'accorder l'abondance au retour. Oui. Amen. Dis que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains. Waouh, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Waouh. L'offrande du soir était un rituel pratiqué à partir de 15 ans dans le judaïsme. Et c'était à l'heure à laquelle les juifs priaient concernant l'apparition des anges dans le but d'apporter leur prière vers Dieu. Et c'était des sacrifices qui se faisaient et des encens étaient brûlés. Mais en Christ, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, l'offrande du soir, c'est un temps. Ce n'est plus une heure physique. On dit c'est à 15h l'offrande du soir. L'offrande du soir, aujourd'hui, est devenue une portion de temps spirituel, un temps prophétique dans lequel nous nous adressons nos prières à Dieu. C'est la même chose. C'est pourquoi je dis que, quelle que soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, Dieu, dans sa nature propre, n'est pas différent. Mais c'est dans la disposition qui change sa manière de faire. Donc, dans sa divinité, la loi spirituelle concernant l'offrande du soir n'a pas réellement changé. Parce que le temps, c'est le temps prophétique. Il faut un temps prophétique par lequel nous prions. Et aujourd'hui, ce temps prophétique n'est plus un temps où on va dire 15h, 16h. En tout cas, je prie. De 0h à minuit, je peux prier sur le même sujet. Par ma foi, ça dépend de comment je prie. Si je prie par ma foi, dans peu de secondes, je me réponds. Je n'ai pas besoin de prier à la 9e heure, à 15h des Juifs, comme à l'offrande de soi pour être associé. Mais en réalité, cette loi spirituelle concernant l'offrande de soi n'a pas été révoquée. C'est la loi charnelle au niveau de l'offrande de soi qui était révoquée. Parce que cette loi charnelle de l'offrande de soi se basait sur des sacrifices charnels, ce qui ne peut pas sauver se base, c'est sur quoi? Sur les rituels des encens physiques. Tout était spirituellement inspiré. Or, en réalité, l'espoir de la foi n'est pas basé sur le physique, mais le spirituel. Mais dans la grâce, nous utilisons des symboles physiques afin de faire quoi? De représenter des choses spirituelles, sachant que la loi même n'est pas physique, charnelle, mais spirituelle. Donc, la loi spirituelle concernant l'enfant du soir n'a pas changé, puisque aujourd'hui, nous sommes dans l'offrande du soir. Nous sommes dans la dispensation du temps de la grâce, qui est le temps du soir où nous sommes. Néanmoins, il y a un temps appelé la nuit. Dans la dispensation, nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église dans la nuit. Mais le temps du soir, c'est aussi le temps de la grâce. Mais qui précède le temps de la nuit, qui est le temps de la grâce, qui précède l'enlèvement de l'Église. Mais dans le sens où je parle de les lois spirituelles en tenant compte des saisons spirituelles que chaque chrétien traverse avec le Saint-Esprit. Donc, moi, je sais que quand je prie, je suis dans le temps du soir. Et ce temps du soir n'est pas midi, 14h, 15h, 16h, temps charnel. Mais ce temps du soir, pour moi, c'est une période spirituelle, un temps prophétique dans lequel je prie. Donc, quand je prie maintenant, là, Dr. Daniel, je prie à l'offrande du soir. Quand je prie à 6h, c'est l'offrande du soir pour moi. Quand je prie à 19h, c'est l'offrande du soir. Quand je prie à minuit, n'importe quelle heure, c'est l'offrande du soir. Cela ne veut pas dire 15h forcément. Mais la loi de l'offrande du soir qui consiste aux choses charnelles. Hein, à 15h, à immoler les sacrifices pour expiation, pour tout ça, c'est charnel. Est-ce que vous comprenez? Parce que Christ est l'offrande du soir. Mais cela ne veut pas dire que quand je prie aujourd'hui pour demander quelque chose à Dieu, je ne suis pas dans l'offrande du soir. En réalité, lorsque quelqu'un prie, il sème la semence et prie, il est en réalité dans le temps de l'offrande du soir. C'est pourquoi David disait que ma prière soit devant ta face. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Donc la prière est comme l'encens. Et l'élévation de mes mains. L'adoration que je fais est accompagnée de quoi et comment? L'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est Christ. Amen. Mais dans mon temps prophétique, chacun aussi doit faire une or. Offrande, c'est ça le prix à payer dans le monde spirituel. Christ a accompli l'offrande
une fois pour toutes. Vous comprenez? C'est l'offrande. Cette offrande avait pour but de nous sanctifier. Mais l'offrande dont je parle n'est pas une offrande d'expiation, de purification, mais c'est une offrande de d'adoration. Une offrande d'action de grâce et une offrande de reconnaissance. Donc, au temps où nous sommes, n'importe quelle prière, n'importe quelle heure que je prie, selon Ephésiens 6, 18, en tout temps, en réalité, je suis dans la saison de l'offrande du soir. Gloire à Jésus. Donc, cette prière s'élève comme l'offrande du soir. Donc, nous devons comprendre les lois de l'offrande du soir. Il y avait quoi? Il y avait des sacrifices d'action de grâce. Il y avait quoi? Il y avait des anges qui apportaient les prières vers Dieu. En réalité, effectivement, nous sommes où? Nous sommes au temps. Lorsque nous prions en faisant à Dieu, en donnant à Dieu nos besoins, nos requêtes, nous sommes en train de respecter l'offrande du soir en tout cas. Il n'y a pas d'heure fixe. Et ce que Dieu faisait dans l'ancienne alliance à l'offrande du soir, en envoyant des anges, il le fait encore aujourd'hui. Parce que les anges devaient prendre les prières des saints qui priaient avec leur encens et monter vers Dieu. Or aujourd'hui, l'encens n'est plus une brûlure physique, mais l'encens est en réalité la fumée de ma prière, la fumée de mon offrande qui monte à Dieu. Et l'offrande du soir, c'est Christ qui l'a fait. Mais moi aussi, je fais juste une action de grâce, de remerciement pour le Seigneur. C'est de ça que David est en train de parler. C'est David, non? Ok. Gloire à Jésus. Donc voilà la valeur spirituelle d'un parfum. D'un parfum. C'est très important. Et en tout temps que tu pries, sache que tu es à l'offrande du soir. En tout temps que tu pries en demandant quelque chose à Dieu. Parce que dans la loi, c'était différent. Mais aujourd'hui, c'est tout temps. En tout temps. Donc, si toi tu ne pries pas, tu n'es pas dans ton offrande du soir. Mais quand je prie, j'entre dans mon offrande du soir. Donc, l'heure à laquelle on prie, on demande des choses à Dieu, c'est le temps de l'offrande du soir. Il y a aussi le temps de la nuit, qui est un temps prophétique aussi, dans lequel Dieu soumet l'homme à une exercice. Nous allons parler de là, de ça, dans autre réalité de l'échelle de Jacob. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, 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 Jésus. Amen. Nous pouvons aller dans Daniel. Daniel où Daniel priait à l'heure de l'offrande du soir. Et Michael faisait quoi? Descendant de vol rapide. Daniel 9, verset 21. Verset 21. Voilà, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel. Voilà, c'est un homme. En réalité, c'est les anges, c'est des esprits. Oui. Mais qui sont hommes. Mm-hmm. Voilà, pas hommes en charnel, mais c'est des hommes qui peuvent prendre l'apparence des hommes. Mm-hmm. C'est des anges qui peuvent prendre les esprits, qui prennent aussi parfois l'apparence des hommes. Mm-hmm. Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Voilà. Au moment de l'offrande du soir. Dans la loi, cette offrande du soir était 15h, de 15h. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc, c'est à cette heure précise de la loi. C'était Chanel. C'était terrestre, cette loi. Mais il y avait une valeur spirituelle dans la loi qui n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez déjà ce que je dis? Donc, à l'heure de l'offrande du soir, comme je l'ai dit dans l'explication, les anges venaient pour prendre les prières, pour recueillir les prières, les parfums. Et il y avait l'encens qu'on brûlait. Et il y avait les sacrifices qui se faisaient. Tout ça, les fumées des sacrifices d'animaux doivent monter à Dieu. Pas pour l'expiation, mais pour un symbole d'adoration, de prière, de demande d'action de grâce qui se faisait. Et les fumées brûlées, pas les fumées plutôt des encens, allaient vers Dieu. Les anges portaient tout spirituellement pour aller à Dieu. Ça, c'était Chanel. Mais ce verset nous montre déjà que la loi spirituelle de l'offrande du soir n'a pas changé. Au sens où, quand je prie en tout temps aujourd'hui, dans le temps de la soirée, prophétiquement, ou un temps où je prie à Dieu en donnant mes requêtes à Dieu, l'ange descend aussi. Ça n'a pas changé. La loi spirituelle n'a pas changé. C'est la loi Chanel qui a changé. C'est clair. Hein? Le processus Chanel a changé, mais le processus spirituel n'a pas changé. C'est pourquoi spirituellement, qu'est-ce qui se passe? L'ange descend, prend mes prières. C'est ça, l'ange était descendu. Prend les parfums, prend les fumées, prend les prières, va vers Dieu.
C'est pourquoi Michael et Michael, Gabriel volait d'un vol rapide. En dit le vol rapide, en dit c'est la loi de la spiritualité. Tout se passe en un clin d'œil. C'est pourquoi l'enlèvement sera en un clin d'œil. Parce que c'est des esprits qui traverseront le temps pour entrer dans le temps spirituel dans le troisième ciel. Donc à l'enlèvement, ce sera un vol rapide. C'est ainsi qui se passe au vol rapide. Gabriel est descendu du ciel vers Gabriel. Vers Daniel. Donc, lorsque nous prions, nous pouvons être en communion avec les anges. Ça, ce n'est pas interdit. En réalité, les anges sont à nos services. Voilà. Et ce que nous déclarons, c'est eux qui l'accomplissent. Voilà. Et ces choses se manifestent. Si nous sommes nés d'esprit, nous sommes esprit, voilà. Nous pouvons cohabiter avec les anges. Ce n'est pas des démons. Que nous sommes aussi comme un vent. Voilà. Donc, si réellement nous sommes un vent, voilà. Nous sommes aussi des esprits. Alléluia. Et nous pouvons parler avec les esprits. Amen. Voilà. Amen. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est des esprits célestes. Wow. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Amen. Par la régénération au troisième ciel. Amen. Donc un ange peut quitter la face de Dieu, traverser le troisième ciel, communiquer avec nous sur la terre, et nous pouvons parler. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Daniel. Oui. Il dit quoi? Que même Gabriel était venu même à l'enfant du soir. Daniel priait. Voilà, il parlait. En réalité, cette façon de parler, c'est la prière. Il parlait en Dieu. En réalité, la prière est une communication avec Dieu. Voilà. Parler avec Dieu. Dans la Bible dit. Et c'est en réalité parole et parole. Voilà. Je donne ma parole à Dieu. Dieu me donne la parole. C'est pourquoi, quand nous prions, nos paroles et esprit et vie sortent de la semence de la parole que nous avons reçue. Et les anges viennent nous apporter le message de Dieu. Voilà. Donc, quand tu pries sérieusement. Tu n'as pas besoin de voir forcément l'ange physiquement, visiblement dans le spirituel, mais il suffit d'entendre une voix te parler. Écoute, sois en paix, pose-toi, le Saint-Esprit te parle. Oui. En réalité, c'est l'ange esprit qui te parle, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le Père des esprits. Amen. Il envoie les esprits à sa charge. Oui, vous voulez compléter? Bon, c'était un peu ça, parce que gloire à Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 8, que il en est de comme ça pour l'homme qui est né d'esprit, il est comme un vent. Donc la vitesse de la lumière que Gabriel a effectué, en réalité c'est comme l'homme qui est né d'esprit. Donc il est à la vitesse du vent. Donc nous disons que celui qui est né, amen, nous disons que celui qui est né d'esprit, il est comme aussi un ange. Donc quand il communique avec Dieu, les anges aussi sont attirés pour recevoir de Dieu et lui transmettre la réponse. Pour recevoir ce que nous disons, afin de pouvoir le transporter. C'est pour cela, tout à l'heure, docteur Silas parlait de le canal, c'est-à-dire le va-et-vient des anges. On va parler de ça. Amen. Dans les autres parties. Amen. Le défilé sans cesse des anges. Nous allons nous réjouir, nous régaler dans la parole. Amen. Le défilé sans cesse. Le défilé va-et-vient, monter-descend des anges. Ça, c'est la loi de la graduation. La loi du monter-descend, la loi du descend et monter. Monte et descend sur le Fils de l'homme. Gloire à Jésus. Donc acclame Jésus. Nous sommes à la fin de la deuxième partie où nous avons parlé des parfums de l'encens au temps de l'offrande du soir. Parlant des réalités spirituelles, comment nos prières sont comme des parfums, des odeurs agréables à Dieu. Que la gloire soit rendue à Jésus. Dans l'autre partie, nous allons parler des sacrifices, des actions de grâce que nous pouvons faire pour accompagner nos prières. Afin que cette prière monte au lieu très saint. Que la gloire soit rendue à Jésus. Acclame Jésus. Donc, docteur Daniel, vous allez faire la prière finale pour nous introduire dans la troisième partie où nous parlerons des sacrifices d'action de grâce qui doivent accompagner nos prières, sans lesquelles nos prières seront bloquées par l'accusateur. Or, l'accusateur ne nous accuse plus. Mais toi-même, tu peux être ton propre accusateur si tu ne mets pas en réalité les principes du royaume des cieux. Les démons s'en servent de notre ignorance pour nous accuser, pour nous troubler. Mais aucune accusation n'est contre celui qui pratique les lois spirituelles du royaume. Gloire à Jésus. Prions. Seigneur, Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous avions passé en ta présence, dans la méditation et aussi dans cet enseignement. Je sais que tu as prévu cet enseignement à ton peuple, à tes enfants, afin de pouvoir les réveiller dans la prière. Amen. Seigneur, nous, vraiment, nos esprits sont nourris profondément de ces merveilles, de ces connaissances, de ces révélations vraiment qui nous amènent à voir à la manière dont tu vois les choses spirituellement. Amen. Seigneur,
Que ton nom soit béni. Je prie que cet enseignement vraiment convertisse quelqu'un. Amen. Je prie que cet enseignement et transforme quelqu'un. Amen. Que cet enseignement révèle la vie de prière de quelqu'un. Amen. Seigneur Jésus, que à partir de ce moment, lorsque quelqu'un va recevoir cet enseignement, qu'ils savent réellement comment prier. Alléluia. Qu'ils savent réellement comment manifester par l'esprit la vraie prière qui monte dans les accessoires devant le trône de Dieu, ouais, afin d'être exaucé par tes anges qui apportent l'exaucement de la prière. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons aussi comprendre encore de grandes choses, parce que tout à l'heure tu nous enseignes que si nous avons la vérité, si nous sommes dans la vérité, nous avons la parole, nous avons la foi, que cela ne suffit pas seulement, mais il nous faut également de prier par le Saint-Esprit. Et aussi par les prières de supplication, et aussi par les actions de grâce. Seigneur, je te prie, donne-nous la grâce de comprendre également comment il faut faire les actions de grâce, comment il faut effectuer réellement les sacrifices pour que tu nous exaudes rapidement. Seigneur Jésus, je confie ton serviteur, le docteur Sera, que tu as utilisé lors de cet enseignement. Seigneur, pour en lui encore davantage, en plus de la connaissance divine. Amen. Seigneur, que les révélations débordent et que ton onction, Seigneur Jésus, qui brûle les jougs, ton onction qui enlève les écailles, ton onction qui enlève, Seigneur Jésus, la mal compréhension des choses spirituelles, Seigneur, soit sur lui, déborde sur lui pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Les lois spirituelles du royaume de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Shalom. Shalom.